Bonjour tout le monde, c'est Reggie et bienvenue pour l'épisode 9 de Super Mario Odyssey. Et je suis arrivé à côté de l'Oasis. En fait, mon Jinxie plutôt a pas voulu attendre. Et du coup, il est tombé de la pyramide et je suis arrivé juste à côté de l'Oasis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau à proposer? Un panneau, mais c'est trop cool! Oh! Et les poissons des sables! Truc de voyage, saut de chapeau. Hein, lorsque vous m'amenez... Na... Ah, c'est vrai que j'y pense jamais. Ça se trouve, on peut sauter genre super haut. Ah, quand même! Quand même, quand même. Oh, sympa. Tiens, j'essaierai d'y penser à l'avenir, ça pourrait être pratique. Et là, on voit des petits poissons de sable. Enfin, des petits ship-ship invisibles. Je sais pas trop comment les appeler, eux. Il y a plein d'oiseaux là-bas. Alors, un petit drapeau. On va chercher vite les pièces parce que ça, c'est le genre de truc que je vais. Je vais très vite oublier aussi. Hop, merci. Ça me fait bizarre de me laisser couler pour aller sous l'eau. Je trouve ça assez peu intuitif par contre pour le coup. Et peut-être en attraper un. Non, pas du tout. Alors, vous ne pouvez pas sentir. Mais ça tremblait fortement dans mes manettes. Là où gazouillent les oiseaux, d'accord. Oh! Vite! Vite! Ah. Oui! Ah, ça aide la visée. Ah, et lui, je l'ai déjà eu du coup. C'est peut-être le même qui est en haut de la tour, vous me direz. Je sais pas. Alors, bonjour, toi. Je sais pas si. Ouais, si t'as quelques petits poissons. Il y en a un qui veut venir? Non. Ah, ça a pas marché, tiens, cette fois. Ouais, il a disparu. Waouh, une lune, mais c'est trop cool. On va aller chercher là-bas. Je sais pas s'il y a plusieurs poissons à pêcher ou si c'est vraiment juste le gros qui est en train de se balader là. Mon pauvre Jinxie là qui se prend la tête dans le mur. Mince, j'ai relevé trop tôt. Je sais pas s'il va réapparaître par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est réapparu. En fait, c'est pas dès que ça vibre, il faut quand même attendre un petit peu. Faut quand même attendre. Ah oui, ok. Allez, 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 allez! Je sais pas ce qu'ils ont dit avec les Joy-Con, mais. Ah d'accord, c'est pas un poisson. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé enterré là, mais j'ai eu de la chance de tomber sur toi! Regarde ce que j'ai trouvé dans le sable! Tiens, une lune, c'est pour toi! Ouais, trop bien! Captain. Todd, une bien jolie prise, d'accord. Ok. Je sais pas s'il peut servir autre part. Genre juste pour pêcher un poisson, non? Ah, il y en a un gros là quand même. Il y en a un gros, je l'aurais bien. J'aurais bien tenté, tiens lui. Eh bien mon petit lac qui tue. Hop. Bonjour, petit lac qui tue. Je sais pas trop ce que tu racontais sur la pêche. Oh, il est trop mignon le petit lac qui tue. Alors. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait une petite accélération si je secouais. Non, tu lances juste ta prise. Parce que là, il y a un grand poisson aussi. Vas-y, lance-la. On attend. La patience. En fait, j'ai surtout pas envie d'attraper le petit. Je crois que je suis en train d'attraper le petit, justement. Les deux sont attirés, mais. Ah non, le gros il a disparu du coup. Mince. Ah. Allez, viens mon petit. Allez, viens. Mort. Oui. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vite, 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 viens. Ah non, d'accord, c'est juste un. Ah non, c'est pas un. D'accord, c'est pas juste un gros chip-chip, il avait mis une étoile. Ok. C'est bon. Allez, hop. Merci. Merci à qui tu, c'était sympa. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que tu m'as donné deux lunes et c'était, ma foi, fort sympathique. Tiens, encore un Jaxi. Jaxi ou Jixi? Je sais plus. Encore un petit lion qui va trop vite pour moi. Tiens, je vais peut-être m'en servir quand même pour faire un petit tour. Ok. Eh bien, la pêche, ça m'avait un petit peu calmé. Et le Jixi, ça m'a beaucoup réveillé, donc. T'es bien mignon, mais tu vas toujours un petit peu trop vite pour moi. Je sais pas trop où on peut aller maintenant, parce que
Bon, j'ai fait un petit peu les quatre coins, je sais qu'il y en a... Purée, c'est juste énorme toutes les lunes que j'ai sur moi. Hop, chapeau. Merci. Je sais pas trop vers où aller. Parce que je suis sûr qu'il y a des petits trucs comme ça dans le sable caché un petit peu comme comme le pantin là qu'on a vu. Mince, pardon. Alors, je sais pas, un endroit intéressant où on n'aurait pas vu une lune cachée. Attention! Le problème, c'est que je peux pas contrôler la caméra et freiner mon Jinxie en même temps. C'est un petit peu compliqué. Non, quelque chose par là. Il y a toujours l'énorme trou. Ça se trouve, il y a peut-être des lunes que j'ai pas trouvées dans le trou. C'est vrai qu'en parlant de lune, il y a toujours celle du Piaf qui disait la graine de la falaise a fleuri. Mais on sait toujours pas. Toujours pas. Faudrait peut-être que j'aille m'amuser à aller poser un ou deux amiibo histoire de m'aider. Oh! Lit! Merci. C'est vrai qu'en cas de freinage d'urgence, je peux toujours lâcher mon Jixi comme ça. C'est quoi, c'est un lézard? Ah, faut attraper le lézard. Vite! Attends, je suis sûr qu'il faut l'attraper. Non, d'accord, c'est juste pour une pièce. D'accord, je pensais qu'il donnait un trésor, mais non, c'était juste pour... Une pièce, et... Et là, il y a un cactus. Attends, mais comment ils veulent que je casse le cactus? Il y a peut-être un truc à faire. Sauter et donner un coup. Oh, me dis pas qu'il faut que j'utilise Jixi pour lui foncer dedans. Oh. C'est fourbe, hein. Si c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est très fourbe. Vu comment il est sur le bord de la falaise. Je vais m'éclater. Allez, 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 allez. Allez, s'il te plaît. Oui! Ok. Et c'est le moment où on fait le freinage d'urgence. Ok. Celui-ci était fourbe, hein. Au milieu des 5 cactus. Ok. Et là, j'aurais bien voulu avoir ma ligne électrique parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs sympas là-haut. Ah, c'est même un raccourci pour monter tout là-bas. Et là-bas, je sais qu'il y a un épouvantail qui nous attend. Et encore des moutons. Ça se trouve, il faut récupérer d'autres moutons. Je sais pas. Ah, c'est bien le trou de la. C'est le trou de la pyramide ou c'est un autre trou, ça? Je crois que c'est un autre trou. Je n'arriverai jamais à sauter là-dedans. Je pensais qu'il fallait le pousser dedans. Bah écoutez, si vous voulez pas y aller, moi j'y vais. Ok, ça va, je suis vivant. Ah! Au fond du fond. Ah, vous êtes bien mignon. Non, mais non, mais lâche-moi! Faut peut-être tous les tuer en fait. Ah ouais, mais il se tue pas comme ça. Est-ce qu'il se tue même, tout simplement? Parce que j'ai... Faut peut-être leur donner deux coups. Je sais pas. Oh mince! Ils ont l'air juste impossibles à tuer. Et on recommence. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est... Ce truc-là, c'est quoi? Ah d'accord! C'est vachement pratique, ce truc, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mince! Tu m'étonnes que c'est super pratique ce truc. Allez, vite, attaque-le! Merci. Non! Merci. Alors, j'ai envie de voir parce que je suis quasiment sûr qu'il y a un truc qui se passe si je les. Si je les tue tous. Hop, merci. Tu crois qu'on peut voler avec ça? Tu parles du truc qu'on a déjà utilisé? Oui. Non, non. Ouais, je sais pas. Ils ont l'air quand même impossibles à tuer, hein. Je sais pas trop. Ah mon Dieu, ce nombre incalculable de monstres. Allez, 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 allez. Il doit bien y avoir un truc. C'est pas possible qu'il y ait autant de zombies pour rien. Ah!
Oh! Oh, je peux tirer des pièces! Oh, d'accord, ok. D'accord. C'est les petites grenouilles porte-monnaie qu'on a l'habitude de voir dans les Mario. Oh, mais c'est énorme. Non! Non, mais attends. Non, mais ce nombre de sous. Le problème, c'est que. Si je me tourne. Il est sympa, mais il est juste super lent en fait. Secouer les Joy-Con pour tirer en rafale. Ah, bah aussi, si tu m'expliques pas. D'accord, ok. Allez, on le retente encore une fois avec le porte-monnaie, voir s'il y a un truc qui se débloque. Ah, ouais, tu m'étonnes que c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà! Là, je suis cheaté. Là, j'aime bien. Bon, allez, je suis quasiment sûr qu'il faut tous les tuer. Allez, jusqu'au dernier. Oh! Par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc. Chaque tir me coûte des sous à moi, en fait. D'accord. Purée, mais je suis ruiné, là. Je suis ruiné, je suis ruiné, je suis ruiné et je suis presque mort. Je me demande ce qui se passe si j'ai plus de sous. C'est-à-dire que je peux plus tirer si j'ai plus de sous. Allez, 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 allez. Purée. J'ai gaspillé tout mon argent et je suis mort. Ah là là là. Alors, quand j'ai plus de sous, je peux plus tirer. D'accord. Je peux plus tirer du tout. Et j'ai gaspillé tout mon argent. Ok. Bon bah c'est pas grave, c'était du gaspillage pur et simple. Bah je peux que partir malheureusement. Ah je suis déçu. Je suis déçu, je suis déçu. J'ai vu qu'on pouvait tirer qu'en rafale à la fin et j'ai gaspillé mon argent. C'est pas grave. J'avais juste envie de voir au niveau des moutons maintenant. Est-ce que par hasard il faudrait pas lui ramener ses moutons à nouveau? Qu'est-ce que t'en dis? Vu comment t'as l'air paniqué, je pense que va y avoir les moutons 2. Les trois moutons se sont fait la malle. Bon, c'est encore que 3, non. C'est encore que 3, je pense que c'est pareil. De toute manière, on le saura bien assez vite. Alors, du coup, je suis revenu en haut de la pyramide. On va prendre cette fameuse ligne électrique. Voir ce qu'elle donne. Ah, parce que là, j'ai un embranchement. Ah, bon, on ira par là-bas juste après. Juste envie de voir ce qu'il y a encore par ici. Notre cher petit mannequin. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer encore un truc de saut? D'accord. Ah oui, il faut que je rentre dedans. Je rampe. Ah oui, pour rouler. Ok. Ah, attends. Non! Ah, j'y étais presque. Alors. Vite. On y fonce, on y fonce, on y fonce. Vite, vite. Et c'est là le rebond dit mur. Vite, 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 vite. Parfait. Vous gagnez l'étoile. Athletic Tac 1. Du coup, il manque encore juste le 2. Je sais pas si je peux retourner directement sur la ligne d'ici. Si, c'est parfait. Et on va retourner sur la ligne. Ah, je sais pas si je peux récupérer les... Mince. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Par contre, une fois que je suis sur une ligne, je peux pas faire un retour en arrière. Je me demandais si je pouvais faire une attaque électrique histoire de récupérer les sous. C'est pas grave, on s'en fiche. Parce que... Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est trop classe. Du coup, on est revenu ici. Je m'étais dit qu'il devait y avoir sûrement une lune dans le coin, mais j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Et je suis tombé dans... Ah ben mince! Le problème, c'est que quand je tombe comme ça dans du poison, même du poison random, comme ça, je vais à l'autre bout de la map. Bah, juste là, finalement. Bon, peut-être qu'en face, finalement, il y a pas grand-chose à faire. Mais de ce côté-là, là-bas, peut-être que oui. Bah, ça tombe bien, j'ai un téléporteur là-bas. Là, on était allé justement grâce au... grâce au tableau du monde... du monde des eaux.
Non, je sais pas. Je sais pas de quel côté atterrir. Allez, on en prend un au hasard. Ah, il y a les pièces là-bas. Ça, c'est des pièces fourbes. Par là, par là, par là. Merci. C'est bien, ils mettent quand même des petites flèches histoire de se rappeler qu'on peut tirer notre chapeau. Ils sont gentils. D'accord, c'est juste des pièces, mais bon, là-dessus je me plaindrais pas vu comment je suis devenu pauvre, alors que j'allais fermer des pièces maintenant. Ah, j'allais dire, lui il a une forme bizarre, non, non, c'est juste qu'il était de profil. Autre chose dans le coin? Oh! C'est un. Ah, c'est peut-être pas un Goomba. Je veux dire, c'est un petit Goomba, mais non. C'est peut-être une graine. Attends, il faut que je ramène la graine jusqu'au centre-ville, c'est ça? Je crois. Attends, ah mince. Et là, je vais la... Non, ok, c'est bon. D'ailleurs, je vais la lancer dans le gouffre, mais non, ça. Ça va. Du coup, il faut que je. Il faut que je fonce jusqu'à la ville. C'est très très intéressant, ma foi. Alors, juste ici. Non! Ah, d'accord! Ah, il y a déjà des lunes dedans! D'accord, je pensais qu'il fallait faire éclore les trois! Mais non, d'accord, il y a déjà une lune à l'intérieur! La graine de la place, ça fleurit! D'accord. Ah, et là, il faut attendre pour que celle-ci aussi fleurisse, c'est ça? Revenons plus tard pour voir si ça pousse. D'accord! D'accord! Ah oui! D'accord, du coup, j'arrive même plus à parler, du coup, il faut encore une graine. Ok. Alors, du coup, Linkelou et Olimar ont trouvé deux petites lunes. Ce qui va pouvoir m'aider un petit peu. Alors, j'avoue que celle-là, je pense que je l'aurais jamais réussi à la trouver sans mon amiibo. Puisque, même si c'est une grande, grande dune. Alors là, je vous informe que ça vibre très, très fortement, encore une fois, dans mes manettes. Et il y avait juste une lune cachée là, au sommet d'une dune. Ok. Et mes amiibos m'ont indiqué une autre lune juste là. Bah, comme c'est juste à côté d'un téléporteur, on va y aller aussi. Mais je suis déçu, il se passe pas grand chose. C'est vrai que vu le nombre de lunes, elles peuvent pas être toutes formidables. Mais là, là j'avoue que je galère un petit peu à les trouver. Alors, je pense qu'il va falloir descendre. Je vais faire ça. Bon, ça c'était pour un petit cœur. Oh! Oh! Ah, d'accord, il y avait un petit passage secret. Tiens, on va aller voir ça. Ok, il était dans le trou, le petit passage secret. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait... Ah oui! Du coup, je suis un Mario mexicain sur le mur, j'avais même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient personnalisés, ces Mario. D'accord. Ok. Et là... Donc 4 sous, on est toujours pas au maximum des sous, mais d'accord. Donc je me disais bien qu'il y avait un truc caché dans le coin, c'était pas... Oh! Attends. Ouais non, ok. C'était pas une lune cachée, mais bien des sous. Ce qui est déjà pas mal, puisque je pense encore une fois que ça donnera sûrement une étoile à la fin. Mais du coup, il faut que je redescende. Mais je suis en train de penser à un truc. Si ça se trouve, les Jinxie, ils vont dans le sable mortel, non? Je sais pas. Parce qu'on dirait qu'il y a un truc dans le sable là. Et s'il fallait utiliser l'iguane pour planer dans le trou? Ah, il va dans le sable, lui, carrément. Ok, donc il y avait bien quelque chose dans le trou. Ah oui, ok. D'accord, ah, c'est quand même des trucs intéressants. Je pense que...
Celle-là, je vais bien galérer. Et encore plus de sous pour moi. Non, glisse pas. Merci. 86, on est bientôt à la fin. Ouh. Allez, par là. D'accord. Non, il y avait juste des sous normaux, mais encore une fois, je suis devenu pauvre, donc merci de penser à moi. Hop, désolé pour cette coupure. Alors, on reprend. Non! Ouh. Avec les pilets qui tombent. Qui m'ont écrasé d'ailleurs. Mais ça, vous l'avez pas vu parce que ça a coupé. Lâche, Mario. Merci. Non, j'ai dit lâche. Voilà, merci. Juste récupérer si jamais il y a des pièces. Du coup, je suis supposé sauter jusque-là. Allez. Ok. Ah oui, d'accord, c'est par là. Je cherchais la suite. Ok. Alors là, il va falloir aller en douceur. Non! Oh, peut-être pas autant en douceur. Ou sinon, la méthode un petit peu plus dure en rebondi-mur, autant pour moi. Allez, on récupère la deuxième, on se fait pas voir. C'est bon, 88. Plus que 12 pièces, encore une fois. Ça va, je trouve qu'on se débrouille bien. J'ai envie de faire la même chose, tiens. Un petit rebondi-mur. Oh, j'en ai presque pas dû. Ça va, je m'en suis bien sorti. Oh, cette montagne d'argent qui fait envie. Faudrait pas aller la tenter quand même. Mais. Ah, c'est peut-être une lune cachée. C'est peut-être une lune cachée. Trésor de la grotte de glace. Ah non, c'était bien la. C'est bien la lune qu'il fallait trouver. D'accord, oui, j'étais au bon endroit. D'accord. Ouais, non, il n'y avait rien du tout par là. Ok, bah j'ai fait la bonne chose sans le vouloir, bah comme tout le temps, vous me direz. D'accord. J'avais juste envie de voir s'il n'y avait pas d'autres sous ou autres. Parce que plus que 12 pièces, je pense que les 12 dernières vont être assez dures à trouver. Et du coup, on ressort là. Là où on avait trouvé une lune. Je sais même plus par où on est rentré, du coup. Ah si, on était rentré dans le sable. Bah du coup, la lune qui m'a été indiquée, je l'ai toujours pas trouvée. Allez, on peut peut-être rejeter un coup d'œil, tiens, comme on est encore dans les parages. Sinon, dans le pire des cas, il y en a encore eu une autre. Là-bas. Juste là. Celle-là aussi, je me demande bien. Ah! À part s'il faut faire venir une bilbal ici pour exploser la caisse, justement. Je vais profiter du fait que l'iguane puisse marcher sur le sable. Voir s'il n'y a pas des petits. Ah, s'il n'y a pas une petite lune, par exemple, là, dans une cavité des ruines. Ah, celle-là n'était pas simple. Purée, ce nombre de. Mince. Ce nombre de lunes sur le côté. C'est quoi qu'on voit comme ombre? Ah oui, d'accord, c'est les anneaux, je me demandais. Ok. Là, il y a un petit escalier. D'accord, le sable. D'accord, on s'en fiche. Un petit peu. Et là, c'est le trou d'où on vient. D'accord. Mais j'ai toujours pas trouvé. j'ai toujours pas trouvé la lune qui est supposée être en dessous. Oh! C'est moi où on dirait qu'il y a un passage là en dessous. Oh, un sphinx. C'est marrant parce que. Comment je fais pour sortir? J'aimerais bien juste lui parler. C'est pas possible juste de te parler, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Salutations aux voyageurs, à toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses? Car j'ai des questions. Ah, un petit sphinx. Bah oui. Que chercherait le cupide monstre de Bowser sur nos terres millénaires? Une bague. Oh, colporteur de bonnes réponses, avance car le passage t'est ouvert. Ok. Bah oui, les sphinx sont connus pour les énigmes, c'est bien évident. Oh! Oh, mais c'est trop cool! C'est tout à moi! C'est trop énorme! C'est le trésor Inca. C'est juste énorme. Ah oui, une lune, ça c'était évident. Ah, ils ont répondu à mes prières.
C'est presque plus que... Bah non, c'est plus que ce que j'avais tout à l'heure. Ah, et si on se prenait une petite revanche de porte-monnaie pour aller tuer quelques zombies? J'ai presque envie d'aller gaspiller mon argent, tiens. C'était par où que j'étais rentré? C'était par un trou par là-bas. Voilà, le trou juste là. Allez, on va prendre notre revanche de portefeuille. Allez, je sais pas combien de pièces je tire à chaque fois. J'aurais peut-être presque pu prendre un double cœur. J'aurais dû aller prendre un double cœur. Allez, allez. On le tente. Ah oui, il faut secouer. Faut secouer, faut secouer. Allez, hop, on secoue. Ouh! Allez, je me prends trop de dégâts en fait à chaque fois. En fait, le souci, c'est qu'il est vraiment lent. Il n'y en a qu'un. Ah! Ah d'accord, il réapparaissait pas à chaque fois que je mourais. Non! Pardon, la panique, j'ai cru que j'allais mourir. Ok, il réapparaissait pas à chaque fois que je mourais. En fait, j'étais carrément sur la bonne voie. Mais c'est trop cool! D'accord, ok, j'étais en panique pour pas grand-chose, alors que j'étais carrément trop sur la bonne voie. D'accord, bah mon super porte-monnaie, t'as bien pris ta revanche et t'as bien mérité ton étoile. Le porte-bonheur de la momie. D'accord. Et puis j'avais... Je vais poser ma manette doucement. J'avais peur que ce niveau, voire même cet épisode, soit un petit peu une déception. Je vais poser ma deuxième manette. Mais ça va, je suis quand même super content. Ok. Bon, c'était les quelques lunes de la jungle, parce que j'ai quand même envie de gagner du temps sur mon travail à venir. 46 sur 69, c'est pas mal. Et que 12 pièces à trouver, ça c'est juste énorme. Parce que je suis quasiment sûr que c'est sur les 2-3 endroits qu'on n'a pas encore visités qu'on trouvera les 12 dernières. Ça c'est juste parfait. Dans le prochain épisode, on reprendra l'Odyssée et on verra du coup le prochain monde qui est du coup le monde de la forêt, je sais plus. Ouais. On retournera pas encore dans le pays des chapeaux et le pays des chutes plus tard. Peut-être qu'on se fera un coup nouveau pays, ancien pays, nouveau pays, ancien pays. Voilà, je pense que ça sera un petit peu plus sympathique comme ça. Ah oui, c'est celui qui m'a été indiqué par mon ami Bo. Ok. Enfin bref. J'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode. Moi, finalement, j'ai trouvé très très sympathique. Merci de vous regarder et à très bientôt pour la suite.